جامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui l'émission sera en français. Pourquoi? Parce que notre invité aujourd'hui c'est français. Je suis ravi d'avoir avec nous sur antenne aujourd'hui Monsieur Gérard Lézard de l'Université de Bourgogne, Franche-Comté. Donc c'est le directeur de l'équipe d'accueil Bio-Peroxyl, biochimie du peroxysome, inflammation et métabolisme lipidique. Donc, en direct avec nous aujourd'hui, Monsieur Lézard. Donc, bonsoir, Monsieur Lézard, et merci pour l'honneur que vous m'avez accordé en acceptant cette invitation. Merci à vous pour cette invitation, et c'est un plaisir de discuter avec vous pendant quelques heures, puisque ça doit nous mener en gros à 19h. Merci encore une fois. C'est avec plaisir. Merci, avec plaisir. C'est un honneur pour moi d'avoir accepté cette invitation. Donc, moi, je vous donne la parole, prof, pour vous présenter et surtout vous présenter votre laboratoire, quelles sont les activités de recherche que vous conduisez chez vous. Donc, nous sommes à votre écoute. Merci. Donc, je vais d'abord me présenter très, très rapidement, parce que bien souvent, lorsque l'on discute avec les gens, et en particulier avec les étudiants, ceux-ci demandent comment vous avez fait pour arriver où vous êtes actuellement et à diriger un labo. D'accord. Bon, je dois dire que ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, et que c'est quelque chose qui se joue pratiquement tous les jours. Donc très brièvement en ce qui concerne mon cursus, moi j'ai fait d'abord une école d'ingénieur qui est l'INSA de Lyon, et ensuite j'ai fait un doctorat d'ingénieur. D'accord. Donc en biologie cellulaire et moléculaire, puis une thèse d'état en biologie humaine, tout en travaillant d'ailleurs dans l'industrie pharmaceutique. J'ai intégré l'INSERM, moi, en 1991, où j'étais lyonnais, d'abord en travaillant à Lyon, et ensuite, pour des raisons familiales, je suis venu à Dijon, et j'ai eu l'opportunité de mettre en place une petite structure de recherche, mais néanmoins qui était sur un axe nouveau, puisque ça concernait en fait l'étude de la mort cellulaire dans les maladies cardiovasculaires. D'accord. Voilà, donc concernant mon essai, en fait, ça a été le point de départ des travaux que je fais actuellement. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un bref rappel. Donc le laboratoire Bio-Peroxyl, biochimie du peroxysome, inflammation et métabolisme lipidique, existe depuis 2012. Donc, c'est la date à laquelle j'ai succédé au professeur Norbert Latruf, qui, jusqu'en 2012, était un biochimiste qui dirigeait une structure de biochimie. C'était le laboratoire de biochimie métabolique et nutritionnelle. Et à ce moment-là, de 2006 à 2012, j'étais avec lui en co-direction dans une structure qui était une structure INSERM, Université de Bourgogne. D'accord. Les capacités du labo en termes de nombre de chercheurs prof, postdoc, les maîtres assistants, les maîtres de conférences, etc. Donc nous, c'est une structure
on va dire que c'est une petite structure, puisque nous sommes 20 titulaires. Mmh. Donc, à savoir, il y a 15 titulaires professeurs maîtres de conf. On a 5 ingénieurs techniciens, mmh, et une secrétaire. D'accord. Donc, c'est une structure de petite taille, mmh, qui travaille donc... alors, derrière ce titre un peu... parce que si je parle biochimie du peroxysome, inflammation, métabolisme lipidique, je pense que ça ne va pas beaucoup parler aux auditeurs. Mmh. En revanche, si je parle de maladies rares, je pense que ça parlera plus aux auditeurs. Oui, oui, oui. Et initialement, mmh, donc, le laboratoire, lorsque je l'ai repris, donc, avait deux activités qui étaient deux activités fortes, à savoir l'étude de molécules naturelles, les polyphénols, mmh, donc, qui sont des molécules que l'on trouve dans un certain nombre de plantes et qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui peuvent être bénéfiques pour des maladies chroniques telles que l'athérosclérose, l'arthrose. Et il y avait également donc une activité qui était une activité maladie rare et qui continue d'ailleurs actuellement sur ce que l'on appelle les peroxysomopathies. Alors, vous m'excuserez d'utiliser ce mot un peu barbare. Bon, les peroxysomopathies sont des maladies rares qui se traduisent en fait. Donc ça veut dire on a moins d'une personne sur 20 000 qui est concernée, bien heureusement. Mmh. Mais ces maladies rares se traduisent chez ceux qui en sont atteints par des déficiences cérébrales qui sont extrêmement importantes et souvent fatales. Donc, il y a des modifications, il y a des dysmorphismes physiques, mmh, il y a des altérations du système nerveux central, et les personnes qui en sont atteintes, lorsque ce sont des formes graves, parce qu'il peut y avoir des formes qui s'expriment et des formes qui ne s'expriment pas, mais le plus souvent lorsqu'elles s'expriment, donc ces formes sont fatales et sont bien sûr ces peroxysomopathies, des maladies génétiques héréditaires. Voilà. Donc ces maladies sont liées à l'âge. Alors ces maladies, justement, donc c'est une bonne question que vous posez. Donc ces peroxysomopathies, quand j'ai commencé moi de travailler sur les peroxysomopathies, je m'intéressais aux peroxysomes. Hein, donc, puisque les anomalies du peroxysome, on va dire, c'est une petite usine de peroxysome à l'intérieur de la cellule qui va avoir un certain nombre de fonctions biochimiques pour réguler le stress oxydant et dégrader donc des acides gras. Et donc, ce peroxysome, dans les années 2005-2010, il y a eu un certain nombre de publications qui ont suggéré qu'il pouvait être impliqué dans la maladie liée à l'âge et qu'il pouvait être impliqué dans les maladies neurodégénératives non héréditaires. Mmh. Alors ça, j'en avais parlé avec des collègues tunisiens quand je donnais des cours en Tunisie, des cours que je continue d'ailleurs de donner. Mmh. Donc, sur la période 2005-2010, et j'avais fait une revue dans le Journal of Alzheimer's Disease, mm-hmm, en disant que très probablement, donc il y a aussi des Autrichiens avec qui je travaillais qui pensaient la même chose et qui continuent d'ailleurs de penser ça, que ce peroxysome pouvait très probablement aussi être impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Mmh. Qui est une maladie neurodégénérative, qui est la maladie la plus fréquente. D'accord. Donc, vous et donnez déjà comme des ça cours. Que l'on est D'accord. arrivé oui, oui. Aux maladies mmh. liées à l'âge, en commençant mmh. par les maladies neurodégénératives mmh. à partir de 2010. D'accord. Donc, vous donnez déjà des cours en Tunisie. Dans quelle oui, université Alors moi, donc,
Lorsque j'ai commencé de donner des cours en Tunisie, j'intervenais dans le cadre de formation en cytométrie en flux. Donc, qu'est-ce que c'est encore une fois que la cytométrie en flux? C'est une analyse cellulaire qui permet de caractériser donc des cellules. Et une des applications les plus fréquentes de la cytométrie en flux, c'est en particulier de caractériser entre autres, donc les applications sont très importantes en hématologie pour les cancers hématologiques. D'accord, Donc moi, j'ai commencé donc par donner ces probablement à cours en la Tunisie. faculté de Pardon. médecine. À la faculté de médecine. À la faculté, donc ces cours ont été initiés par Majou Baouni, qui est professeur à Monastir. Et D'accord. donc, nous avons commencé avec un collègue de Saint-Étienne à donner ces cours, à Monastir D'accord. pendant plusieurs années. D'accord. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec un certain nombre de collègues de Tunisie et que j'ai progressivement accueilli des étudiants D'accord, et étudiantes tunisiennes. on va en parler. Bien sûr, à partir de ce point, vous avez commencé les coopérations de recherche. Donc, les chercheurs au sein de votre laboratoire sont de quelle nationalité? Alors, les chercheurs au sein du laboratoire ont des nationalités vraiment très diverses, hein. Il y a un professeur au laboratoire qui est marocain, donc on a aussi beaucoup de Marocains et Marocaines qui passent au laboratoire. On a bien entendu des Tunisiens. D'accord. Moi, j'ai eu également des Algériens. Des Libanais, des Italiens, des Espagnols, Et les des critères, Belges, je des m'excuse, Allemands. prof, donc les critères de sélection des candidats, moi, spécifiquement, je parle des Tunisiens. Donc les critères d'évaluation ou bien de sélection des candidats pour qu'ils puissent conduire leur recherche au sein de votre laboratoire. Est-ce que c'est en co-tutelle ou bien les candidats viennent tout seuls ou bien comment vous sélectionnez les candidats? Non, donc moi, la première étudiante que j'ai eue, c'était par l'intermédiaire du professeur Amami, Amira Zarouk. Donc il faut lui rendre honneur quand même parce que c'est elle Bien sûr. qui a ouvert la voie. Et je pense que les collègues tunisiens avaient bien choisi parce qu'on a eu une étudiante avec de bonnes capacités qui avait un CV tout de même solide et dont le travail a été important. D'accord. Donc sur cette base-là, donc moi, j'ai mieux fait connaissance avec mes collègues tunisiens qui ont continué de me proposer des étudiants. Et bien sûr, je n'accueille pas tout le monde. Bien sûr. Donc, je sélectionne mes étudiants sur la base quand même de leurs compétences, de leur motivation, hein, de leur qualité aussi humaine, hein, donc je prends ça en compte, et aussi bien entendu les sujets que l'on va développer, ça va être des sujets sur lesquels il faut que le laboratoire tunisien retrouve son compte et que le laboratoire français que je dirige retrouve son compte. Donc on fait un petit mixte, hein, D'accord. de tout ça. Et on arrive à des sujets de thèse qui sont des sujets de thèse originaux et des sujets de thèse novateurs. D'accord. Donc c'est ces sujets, enfin donc c'est ces sujets en fait. On va dire que sur les sujets actuellement et sur les connaissances du laboratoire concernant le peroxysome et les maladies liées à l'âge, les différents étudiants tunisiens, étudiants et étudiantes tunisiennes que moi j'ai eu au laboratoire ont largement contribué à développer les connaissances dans ce domaine. D'accord. Et est-ce que vous donnez des bourses d'études pour les étudiants? Alors, les étudiants viennent sur la base de bourses d'alternance, D'accord. hein,
Et ensuite, moi, j'interviens pour aider les étudiants. Bien souvent, par l'intermédiaire de, on va dire, de gratifications, hein, qui sont des sommes d'argent qui doivent être inférieures à, bon, je crois que c'est en gros à moins de 520 euros, de façon, et ils font bien entendu en contrepartie un travail pour justifier ce genre de choses. Donc, ils peuvent faire un travail pour une collaboration que j'ai avec un laboratoire pour développer, par exemple, une technologie d'analyse de dérivés de cholestérol pour évaluer des molécules. Mais bien sûr, je fais en sorte et je fais attention à ce que ça ne prenne pas sur leur temps de thèse. Donc, il y a des compléments. Il peut y avoir aussi des bourses qui sont spécifiques. Donc, dans la mesure où on répond à des appels d'offres, hein, il y a des PHC, donc des projets hubercuriens qui sont des appels d'offres mixtes France étranger, France Maghreb, France Tunisie en particulier. Et dans ces conditions, il y a une partie de la bourse qui est allouée pour payer l'étudiant lorsqu'il est au laboratoire et pour l'aider à réaliser, pour l'aider à réaliser sa thèse. D'accord. Donc voilà. Prof, est-ce que vous connaissez Mademoiselle Khouloud Sassi? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Rouleau de Sassi, D'accord. Moi j'ai fait ça. Rouleau de Sassi m'avait envoyé un CV, bon, je crois que ça devait être en 2018, hein. Oui, c'est ça. J'ai fait sa connaissance. Alors, moi je lui avais dit oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Donc, je ne la connaissais pas. Et j'ai fait sa connaissance à l'Institut Pasteur de Tunis lors d'une soutenance de thèse. Elle était présente et elle était venue assister à la soutenance de thèse, d'une thèse en co-tutelle d'une étudiante à l'Institut Pasteur. Oui, Et donc donc, on a. on a discuté et puis voilà, Oui, on a fait elle a affaire. été acceptée au sein de votre laboratoire. Donc, on a un témoignage de Mademoiselle Khouloud Sessi. Allez-y, on va l'écouter ensemble. Je suis Khouloud Sessi, je suis chercheuse entrepreneur. J'ai un double doctorat, un doctorat en biologie humaine de l'Université Tunis Limanal et un doctorat en biochimie, biologie moléculaire de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Je suis actuellement inscrite en DU étudiant entrepreneur à l'Université Bourgogne et un challenge plus des entreprises innovantes à HEC Paris. Je suis la porteuse du projet EPOC dont l'objectif est de développer des molécules sélectives ciblant de façon spécifique le métabolisme dans les pathologies cérébrales. Je suis arrivée en France en avril 2018, c'est avec la confiance de Monsieur Gérard Lizard. J'ai établi mon projet de thèse qui a donné naissance à des travaux originaux et prometteurs. Ensuite, on a déposé un brevet et on a protégé le savoir-faire associé. En juillet 2021, j'étais lauréate Grand Prix du concours national d'innovation IPHD, qui est opéré par le gouvernement français en partenariat avec le Banque publique de l'investissement de France, BPI France. Quelques semaines plus tard, j'ai soutenu ma thèse et quelques mois plus tard, en novembre, j'ai débuté la valorisation de mes travaux avec l'accompagnement de Science et bien évidemment avec le soutien de Monsieur Gérard. Aujourd'hui, mon projet est en maturation avec Science et je suis hébergée dans le laboratoire Bioperoxyle dont Monsieur Gérard est le directeur et où j'ai effectué ma thèse. Actuellement, je travaille à structurer le projet et à composer la future équipe. Pour démarrer dans les meilleures conditions et pour m'aider dans ce lancement, je peux aussi compter sur l'aide de Monsieur Gérard qui m'apporte son expertise toujours. Donc début 2024, mon projet ne sera plus un projet, mais il sera une start-up où tout est à construire. Je voulais remercier Monsieur Gérard qui m'a laissé le choix de faire ce que j'aime et ce qui m'a emmené à réaliser mon rêve. Donc un simple merci
n'est pas suffisant pour lui remercier hein, de sa présence, de son aide et qui sont très précieux à mes yeux. Il m'a guidé toujours de façon très positive avec un grand respect pour ma personnalité. Je le suis reconnaissante parce qu'il m'a fait bénéficier tout au long de mon parcours de sa grande compétence qui a contribué à alimenter ma réflexion. Il a été toujours disponible, réactif et efficace. Il a d'une efficacité que je n'oublierai jamais pour cette occasion. Voilà, je voulais lui remercier encore une fois. Je voulais lui dire c'est important pour moi ce qu'il a fait. J'apprécie qu'il a cru en moi, qu'il a pris le temps de discuter en moi, qu'il m'a fait confiance. Ben, il a fait confiance à une étudiante de M2 biochimie qui est venue voir voilà, un directeur de laboratoire. Et il m'a bien accueilli. Je voulais lui dire que grâce à vous, je suis devenue une biochimiste redoutable et qu'il m'a épaulée. Et j'aimerais bien qu'il sache qu'il peut toujours compter sur moi en retour. Et en ce qui concerne les collaborations, donc moi, je peux encourager les collaborations parce que je suis issue d'une collaboration de laboratoire bioperoxyle dirigée par Monsieur Gérard Lizard, et du laboratoire d'onco-hématologie à la faculté de médecine de Tunis à l'université Tunis Manar, qui est dirigée par Madame Fenira. Donc, bien évidemment, je ferai des collaborations dans ma future entreprise avec mon pays, parce que en Tunisie, on a des talents à exploiter, et j'aimerais toujours avoir un lien avec mon pays. Et en ce qui concerne le métier de chercheur, c'est une affaire de passion, hein. Il n'y a pas beaucoup d'emplois qui permettent de constamment repousser les frontières de connaissances humaines. Et il y a trois ou quatre manières différentes dont on peut exercer le métier de chercheur. Soit faire une carrière dans le milieu académique. Voilà, si on décide de faire une carrière de chercheur dans le milieu universitaire, on a la liberté de la recherche. C'est la liberté de recherche. La voie opposée, c'est de rejoindre l'industrie privée et faire la recherche pour une entreprise. On a bien sûr beaucoup moins de liberté dans le choix de sur quoi on va faire la recherche, mais on travaille sur quelque chose qui a un impact concret dans le monde de tous les jours. Pour ceux qui ont un côté ingénieur et concret, bien sûr, le milieu industriel est très attrayant. Et il y a la voie de milieu qui est vraiment entre les deux, c'est de travailler dans un laboratoire de recherche nationale. Et il y a aussi la dernière voie, c'est la voie des startups deep tech. Ce que je suis en train de faire, c'est valoriser, concrétiser la recherche économique et la transférer en milieu, la recherche académique et la transférer en milieu économique. Ben, moi, mon but, c'est de faire une recherche de haut niveau qui soit valorisée et concrétisée et qui a un vrai impact dans la société. J'aimerais bien que demain, mes parents, ma famille, mon fils, mon mari, tout mon entourage voient l'impact de la recherche que je suis en train de faire. Et pour finir, je dirais que la passion, la curiosité et la créativité définissent un métier de chercheur. Que l'on fasse de la recherche en milieu académique, gouvernemental ou privé, le métier de chercheur offre toujours de nouveaux défis pour ceux qui ont une soif de découverte. Donc voilà, j'espère avoir pu vous être utile et vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée. So, I have taken your permission, Prof. Gérard, to speak in English. So it seems that Miss Khouloud recognizes and she is thankful for all the support that you have provided for her, and she said that thanks to you she became a good researcher within your lab. So what can you say? Yes. You can keep talking in French, no problem. Ok, as you want. D'abord, merci à Rouloud. Enfin, donc, ça me fait plaisir ce qu'elle a dit. Ça cache aussi quand même. Donc, enfin, comme on a pu voir, hein, c'est son allocution et son intervention est très bien construite. Donc, Rouloud a quand même, je pense, une fibre pour la communication. Donc, ça, c'est évident. Et puis pour la communication scientifique. Donc, et je pense que elle sait rendre attrayant des projets de recherche. Et c'est elle qui s'est prise en charge au cours de sa thèse pour valoriser
les molécules qu'elle a évaluées. Donc, D'accord. elle travaillait donc sur des molécules donc que l'on a déjà évoquées, hein, donc des dérivés oxydés du cholestérol. On avait un certain nombre de modèles. Elle a fait un certain nombre de manips. Elle a été à un certain nombre de colloques. Elle a présenté ses résultats et elle s'est prise en main. Et c'est ça a été sa volonté et ça a été son travail qui lui ont permis d'aboutir donc là où elle est arrivée, D'accord. avec le souhait de mettre en place les éléments pour créer une start-up. Donc moi, bien sûr, elle a bénéficié bien sûr d'un environnement qui était favorable parce que ces molécules, moi je les connais depuis 1991, hein. Il n'y en avait pas autant que maintenant. En 91, elle devait être, il y avait peut-être une quinzaine de molécules d'identifiées. Maintenant, on en a une centaine et on peut penser qu'il y en a beaucoup plus avec tous les métabolites qui existent. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'elle a fait et qui sont des choses très 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 positives. Et je pense que Rouloud est un exemple à suivre dans le domaine de la valorisation. Alors bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des moments où elle a plus ou moins le moral. Il y a des jours où elle a le moral, il y a des jours où elle n'a pas du tout le moral. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est de lui dire, il faut tenir bon. Il n'y a pas. Alors bien sûr, quand on a des étudiants, on a, je dirais, personnellement, un certain nombre de règles que l'on s'impose et qu'on suit, mais il n'y a pas de recette générale. Il faut s'adapter à chaque étudiant et il faut s'adapter à leurs souhaits. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. D'accord. Donc, professeur Gérard, donc pause musicale et puis on continue notre discussion. Ladies and gentlemen, we are back to you to follow up on our discussion and conversation with Prof. Gérard Lizard. So, a second testimonial with Miss Ghzayel Imen. Let's listen to it. Bonjour, je me présente, je m'appelle Imen Anzaïd, je suis en troisième année de thèse de doctorat en co-tutelle en sciences biologiques entre l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, France, et l'Université Tonsil-Manaz, sous la direction de M. Gérard Lézard, M. Mohamed Hamimi et Mme Émile Azadour. Mon sujet de recherche concerne le régime méditerranéen et la prévention de la sarcopénie. En fait, qu'est-ce que c'est la sarcopénie? La sarcopénie, c'est une diminution de la masse musculaire qui peut toucher jusqu'à 30% des personnes âgées de 65 ans et plus. Cet état peut contribuer à une perte d'autonomie. L'hypothèse d'adopter une alimentation riche en polyphénols, en tocophérols, en flavonoïdes tels que le régime méditerranéen peut être un atout pour ralentir l'apparition de cette altération musculaire et donc retarder la dépendance des personnes âgées. Mes recherches ont pour but donc de trouver des molécules naturelles ciblant cette maladie qui est la sarcopénie. Cette thèse est le fruit d'un long travail sous la direction et les conseils de M. Gérard Lézard. Je vous remercie énormément M. Lézard de m'avoir dirigé tout au long de ces années de thèse. Je voulais vous témoigner tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous et à faire avancer notre projet ensemble. Ce fut une expérience très enrichissante que je garderai longtemps en mémoire. Cette année, c'est la dernière année de ma thèse. C'est vrai que cette page va se tourner, mais cette étape dans mon parcours à vos côtés restera toujours comme une très belle période de ma vie. Les mots me manquent vraiment pour vous remercier, vous exprimer ma grande reconnaissance pour cette expérience admirable. Sans votre aide, je n'aurais jamais dû continuer ma thèse dans très bonnes conditions. Mon séjour dans votre laboratoire m'a donné la possibilité de mettre en pratique mes connaissances acquises et d'atteindre les compétences dans mon domaine de biochimie. Votre intuition scientifique et votre humanité sont pour moi des exemples. Vous êtes vraiment le genre de directeur dans tout le laboratoire, dans tous les laboratoires de recherche on a besoin. J'admire vraiment que vous avez orienté votre laboratoire bioperoxyde vers l'international en accueillant des postdocs, des doctorants en co-tutelle, des stagiaires de différentes nationalités et plus spécifiquement des Tunisiens, des Marocains, des Libanais. Merci de nous avoir ouvert les portes de ce laboratoire et merci encore pour tout ce que vous aviez donné à ce laboratoire.
Donc, professeur Gérard, normalement, vous devez être fier de ce témoignage de mademoiselle Imen Ghzail et aussi de madame Khouloud Sessi. C'est clair que vous avez bien aidé les chercheurs tunisiens. Donc, les travaux de recherche de mademoiselle Imen Ghzail, exactement, elle fait quoi et comment avez-vous sélectionné mademoiselle Imen au sein de votre laboratoire? Donc, enfin, comme Imen, donc moi je découvre hein, donc le témoignage d'Imen. Oui. Ça m'a beaucoup ému. Hein. Moi donc, aussi. Mais elle n'a pas remercié la radio ni moi-même. Donc oui, Imen travaille sur la sarcopénie. Oui. Donc, qui est une maladie, enfin, donc c'est une diminution de la masse musculaire et de la force musculaire qui peut survenir chez les personnes âgées, donc de plus de 65 ans, même si on peut avoir certaines formes chez des personnes à partir de 40 ans. C'est une maladie invalidante qui est bien connue des gériatres et avant la venue d'Imen, moi je n'avais pas, je ne connaissais pas cette maladie, sinon le fait que je m'intéressais aux maladies liées à l'âge. Donc pour l'historique, la façon dont Imen est arrivé au laboratoire, bon, ça s'inscrit dans toutes les collaborations que j'ai eues, en particulier avec l'université de Monastir et de Tunis Al-Manar. Imen est dans le laboratoire dirigé par Mohamed Amami et actuellement donc par son épouse. Elle a été encadrée aussi donc par Amir Razarouk, qui a été ma première brillante étudiante. C'est elle qui l'a encadrée donc en Tunisie. Lorsque Imen est arrivé il y a 2 ans, je dirais comme souvent, parce qu'il n'y a pas les structures de culture cellulaire, il n'y a pas des structures suffisantes, entendons-nous, de biologie cellulaire et de biologie moléculaire et de biochimie en Tunisie. Donc en 2 ans, Imen a quand même réalisé un tour de force, puisque en 2 ans, il ne suffit pas d'avoir le laboratoire d'accueil qui soit équipé avec des compétences des encadrants. Faut-il aussi que les étudiants étudiantes soient réceptifs. Et en 2 ans, donc, Imen a mené à bien son travail de thèse et on a beaucoup progressé dans un domaine que je n'avais pas exploré avant, avec des modèles que je n'avais pas explorés avant. Donc, je me félicite encore une fois. Donc, enfin, moi, je suis heureux de l'avoir accueillie. Elle avait encore une fois été sélectionnée par mes 2 collègues tunisiens. Et je remercie ces 2 collègues tunisiens, d'ailleurs, qui ont du nez pour, on va dire, repérer les bons éléments. D'accord. On est parti sur quelque chose avec relativement peu d'éléments, mm-hmm. et on a réussi à mettre quelque chose en place. Mm-hmm. Donc, ce que j'espère, moi, c'est que ce genre de travail continuera. D'accord. Sous une forme ou sous une autre. D'accord. Moi aussi, et même la radio, on vous remercie pour le support que vous présentez à nos chercheurs tunisiens. Donc, moi, j'ai une question. Je veux vraiment savoir, en termes de valorisation des résultats de recherche, donc, comment vous faites? Est-ce que les organisations ou bien le ministère ou bien l'État valorisent les résultats de recherche que vous obtenez? Alors donc, au niveau de la valorisation de la recherche, on ne prévoit pas en fait de... moi, j'ai toujours en mémoire, je dirais par ma formation initiale, hein, parce que j'ai quand même travaillé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et je continue d'avoir des interactions. J'ai donc toujours en tête de valoriser mes résultats, c'est-à-dire si je fais de la recherche
Je fais de la recherche fondamentale, donc j'ai choisi, enfin ce n'est pas un terme que j'aime d'ailleurs beaucoup, mais j'ai choisi d'explorer. Hein. Je n'ai pas choisi d'emblée d'appliquer. Mm-hmm. Je cherche de nouvelles pistes pour de nouveaux traitements. D'accord. Donc cette exploration me conduit, bien entendu, à trouver des pistes intéressantes, et certaines de ces pistes peuvent être valorisées. C'est ce qui s'est produit en particulier. Donc, on va revenir sur donc avec la première thèse que j'ai eue ici sur la maladie d'Alzheimer, où on a eu des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, et c'est ce qui s'est produit aussi donc avec le travail fait par Rouloud Sassi, où on a valorisé en fait une molécule. Mais bon, c'est pas des promenades de santé, hein, donc quand on valorise, quand on fait du travail de valorisation, il faut valoriser par l'intermédiaire de brevets. Les brevets que l'on fait, nous, ce sont des brevets européens destinés à être ouverts à l'international. Donc, c'est un gros travail, c'est un gros effort. D'accord. Moi, je ne suis pas, je suis pas spécialisé en sciences médicales, mais ce que je veux savoir, est-ce que les résultats que vous avez obtenus ont été exploités par exemple, les laboratoires de fabrication des médicaments? Est-ce que les molécules dont vous parlez ont été utilisées ou bien des médicaments ont été fabriqués en se basant sur les résultats de recherche que vous avez obtenus? Alors, ce que l'on fait, je dirais, il faut voir que les résultats ou les techniques d'ailleurs. Hein. D'accord, donc, les deux, oui. On travaille beaucoup donc avec, je continue de travailler donc avec des industries. Donc on a aussi tout un savoir-faire technologique qui permettent d'évaluer des activités de médicaments. Donc ce savoir technologique, il a une valeur inestimable parce qu'il s'est accumulé, et pour avoir ce savoir-faire technologique qui permet d'identifier des molécules avec des potentiels thérapeutiques, c'est quelque chose de considérable. Mmh. Donc ça, on a quand même ce genre de choses et on l'oublie. Ça a un prix, c'est-à-dire que pour internaliser un savoir-faire technologique, ça ne s'internalise pas et ça ne s'apprend pas comme ça. C'est pour ça que quand il y avait, par exemple, on était dans la pandémie Covid et on disait il va falloir acheter les brevets doivent être libres, et si les brevets sont libres, ça va être le coup de baguette magique et on va pouvoir arriver à résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Ça, c'est de la démagogie. Il ne faut pas uniquement ça, il faut aussi tout le savoir-faire. Donc ce savoir-faire, nous, on l'a dans des domaines bien particuliers, en relation avec les maladies liées à l'âge, et on peut répondre à des besoins. On travaille d'ailleurs avec l'hôpital pour, avec le savoir que l'on a, évaluer des molécules qui sont en phase de développement avec des grandes industries, Biogen par exemple, ou pour essayer de distinguer différents types de pathologies. Par exemple, dans le Parkinson, c'était la dernière étude, on a des Parkinson typiques et des Parkinson atypiques, et on a essayé de distinguer les Parkinson typiques des Parkinson atypiques pour voir si effectivement telle maladie, enfin si la forme atypique répondait mieux à un médicament que la forme, que l'autre forme, et réciproquement. Donc, il y a ce genre de choses. Ensuite, il y a les molécules. Donc, est-ce que nous, laboratoire d'université, nous sommes à même de développer des molécules? Alors, je dirais oui, mais là encore, c'est fonction des collaborations que l'on peut avoir. Bon, par exemple, moi, les molécules sur lesquelles je travaille, ce sont des dérivés de cholestérol, soit des, que l'on appelle des oxystérols, ça peut aussi être des phytostérols, c'est-à-dire des stérols végétaux,
Et j'ai la chance d'avoir fait la connaissance, donc au cours de mes pérégrinations diverses, d'un collègue qui est professeur à Metz maintenant et qui est d'origine iranienne. On se connaît depuis très longtemps et on s'apprécie beaucoup réciproquement, et qui est un chimiste organicien qui fait de la synthèse de stérol. D'accord. Et il faut savoir que la synthèse de stérol, c'est quelque chose qui n'est pas facile, que ce sont des molécules qui coûtent cher, et c'est quand même des molécules qui ont été, et les Français ont été précurseurs là-dedans, hein, puisque Roussel-Uclaf a développé, avait une recherche extrêmement forte sur les stérols. Et pourquoi ? C'est parce que ces stérols ont abouti à la pilule contraceptive. Hein, c'est ce qui avait conduit Roussel-Uclaf à faire ses recherches. D'accord. Donc actuellement, il y a un certain nombre d'industries qui continuent de travailler sur les stérols. Les Américains, donc c'est quand même un signe, s'y intéressent de plus en plus. Et on a de plus en plus d'applications avec des stérols, donc des molécules comme les nôtres, pour des maladies liées à l'âge, par exemple la cataracte, pour l'ostéoporose et aussi pour les maladies immunitaires et les maladies infectieuses. Donc certains stérols ont des activités anti-infectieuses qui sont des activités fortes. D'accord. Donc ça, c'est donc l'aspect collaboration avec des chimistes. Mmh. Et effectivement, on a la possibilité, nous, de faire émerger des molécules. Donc, on peut faire du travail en collaboration, donc du travail à façon avec l'hôpital, faire des études cliniques. On peut aussi agir de manière beaucoup plus précoce et beaucoup plus en amont, en identifiant des molécules et en montrant, en apportant des preuves de concept. Mais bien sûr, après, il nous faut des partenaires, donc il nous faut valoriser. Industriel, bien sûr. Il faut des structures de valorisation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, si vous permettez, prof, donc je veux passer pour un deuxième sujet. Donc maintenant, les chercheurs qui finissent ou qui terminent leur recherche. Donc maintenant, je veux parler un peu du recrutement. Est-ce qu'ils peuvent postuler pour des postes universitaires en France? Alors, la façon dont... Alors, c'est également un projet de... Je veux dire, je m'excuse pour l'interruption. Donc, je veux dire, est-ce que vous avez le système Equal Opportunity? Oui, alors, Equal Opportunity, not exactly. Pas exactement. Opportunity in this field, it's difficult. So, je vais m'expliquer en français. Bien sûr. Donc, lorsque un étudiant a une thèse, donc il peut, donc il remplit les conditions pour postuler à des fonctions universitaires, de maître de conférence, de professeur d'université et de chercheur. D'accord. Bon, ce sont les conditions de base. Donc, il faut remplir un certain nombre de conditions de diplôme, et le doctorat est la condition nécessaire pour postuler à ces postes. D'accord. Chercheur, enseignant-chercheur, ça c'est indispensable. D'accord. En revanche, à notre niveau, donc à mon niveau, si par exemple, donc on a un système qui est un système sur le web accessible, qui est le portail Galaxy pour les postes universitaires, où il faut, pour pouvoir postuler, être certifié. Donc vous parlez, prof, je m'excuse, donc vous parlez du secteur public ou bien des universités privées? Les universités privées recrutent leurs enseignants, qui sont d'ailleurs tout aussi bons, hein, donc moi j'en connais, j'en côtoie, sont des gens de qualité, mais c'est d'ailleurs le système américain, hein, les universités américaines recrutent leurs enseignants, ils n'ont pas des full positions pendant un certain temps, comme en France.
Mais il y a une autonomie. Donc en France, en fait, vous avez des sections. Hein, donc vous avez des sections 64, par exemple, c'est biochimie. 65, c'est biologie cellulaire. Mm-hmm. 64, biochimie et biologie moléculaire. Et il faut donc être habilité. Donc il faut que vous fassiez un dossier et vous allez passer devant une commission de spécialistes et on va dire, vous êtes habilité. On considère que vous avez la possibilité, on considère que vous avez la possibilité, que vous remplissez les conditions pour postuler à des postes de maître de conférence, d'accord, ou à des postes de professeur d'université. Ensuite, une fois que vous avez une fois que vous êtes habilité, vous allez sur le portail Galaxy. Sur ce portail Galaxy, vous avez des offres de postes qui sont faites pour les universités françaises, et vous postulez. Ensuite, je connais bien la procédure parce que j'ai été, moi-même j'ai postulé, je connais très bien la procédure. Ensuite, on sélectionne les dossiers en commission de sélection pour retenir les dossiers qui vont être évalués, pour retenir les dossiers des candidats qui seront auditionnés, et ensuite on auditionne les candidats. Et sur et parmi les candidats auditionnés, on va donc sélectionner le candidat qui va remplir au plus près les souhaits du recruteur. Voilà. D'accord. Prof, s'il vous plaît, donc on va revenir pour le recrutement, mais puisque vous avez parlé de l'habilitation universitaire, l'habilitation à diriger les recherches, donc, quelles sont les conditions pour postuler ou bien pour présenter votre dossier à l'habilitation? Parce que je vous donne un exemple ici en Tunisie. Donc, pour que vous postulez à l'habilitation à diriger les recherches, vous devez être permanent en tant que maître assistant. Donc, comment ça se fait les choses chez vous? Alors, donc là, quand je parlais d'habilitation, je parlais d'habilitation pour être sur les listes d'aptitude. Donc ça, c'est une autre chose. Donc, quand vous voulez être maître de conférence, il vous faut être sur la liste d'aptitude. Mm-hmm. Et ce sont des listes d'aptitude. Et cette liste d'aptitude, et ces listes d'aptitude, que ce soit prof ou que ce soit maître de conf, il faut que vous ayez une thèse. Donc, d'accord. Si vous voulez, c'est-à-dire, si je simplifie les choses, si vous permettez. Donc, oui, pour présenter votre dossier à l'habilitation, vous devez être porteur d'une thèse. C'est tout. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement. Vous êtes permanent en tant que maître assistant. Moi, je pose cette question. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a pris déjà son habilitation à diriger les recherches de la France, mais ici, il n'a pas pu prendre l'équivalence. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas déjà permanent en Tunisie. Non, ici, si vous voulez, donc moi, je répète, hein, donc, c'est l'habilitation à être sur les listes d'aptitude. Donc ça, c'est une chose. D'accord. Et ensuite, vous avez l'habilitation à diriger les recherches. D'accord. Alors, l'habilitation à diriger les recherches, donc je reviendrai sur... Il y a deux types chez vous. C'est-à-dire, ce que j'ai compris, c'est que vous avez deux types d'habilitation chez vous. Tout à fait, absolument. Il y a deux types d'habilitation. Une habilitation pour être sur des listes d'aptitude. Mm-hmm. Et vous pouvez être sur ces listes pour déposer qui sont évaluées donc par des commissions donc de spécialistes nationales. Donc ça, ce sont les habilitations pour pouvoir postuler en tant que maître de conf, en tant qu'enseignant dans le supérieur. Si vous voulez être professeur, bien sûr, il vous faudra votre habilitation à diriger les recherches. D'accord. Cette habilitation à diriger les recherches, il n'est pas nécessaire pour postuler à cette habilitation à diriger les recherches d'exercer des fonctions d'enseignement universitaire. D'accord. Ou d'enseignement. D'accord. Je veux dire, si vous travaillez et si vous avez un dossier qui montre que vous avez des
compétences, vous avez des publications, vous avez des communications, vous avez travaillé dans un secteur privé et vous avez un niveau, vous n'avez pas exercé de fonction universitaire, mais néanmoins, vous avez des compétences qui sont des compétences vous avez intéressantes. Encadrement, par exemple, elle s'appelle habilitation à diriger les recherches, c'est-à-dire il vous suffit d'encadrer des masters ou bien des doctorats, donc vous êtes capable de diriger les recherches, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si vous avez été dans le privé et que vous avez encadré des thèses, d'accord. Donc, et que vous avez encadré des M2 ou des M1, vous remplissez les conditions pour avoir une habilitation. N'a rien à voir avec l'enseignement, ce que je vois. Ensuite, l'enseignement, si vous postulez ensuite sur des postes, si vous avez un profil purement chercheur, purement chercheur sans avoir eu beaucoup de fonctions d'enseignement, ça ne va pas empêcher le fait que vous ayez votre habilitation à diriger les recherches. D'accord. Ça vous permettra d'avoir une habilitation professeur, donc vous serez habilité professeur et vous pourrez postuler. Mm-hmm. Ensuite, où c'est plus problématique en France, c'est que si vous n'êtes pas dans le giron. C'est bien connu, c'est-à-dire que le fait d'intégrer des fonctions de professeur tout en étant initialement en dehors du circuit de maître de conférence, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va dire qu'il y a un certain fléchage de poste des postes et parfois préparé longtemps à l'avance et que les sièges sont bien chauffés avant pour que l'on ait tel ou tel candidat. Donc, avec quel type d'habilitation pouvez-vous postuler pour être maître de conférence? L'habilitation d'aptitude ou bien l'habilitation à diriger les recherches? Donc, pour la liste d'aptitude, dès que vous avez votre thèse, que vous justifiez d'une liste de publications, on va dire honorables, les aptitudes, être sur les listes d'aptitudes, c'est quelque chose qui est possible et c'est pas insurmontable. D'accord. Ensuite, bien sûr, quand on monte ensuite, être sur les listes d'aptitudes de professeurs, c'est un peu plus compliqué. Le fait que vous soyez sur les listes d'aptitudes, en fonction de ça, vous postulez sur le portail et à un certain nombre de postes. Si vous êtes retenu, vous vous présentez en présentation orale, soit sur le poste de maître de conférence, soit sur le poste de professeur. D'accord. Bon, ensuite, il y a un certain nombre de démarches qui peuvent être... Il y a toujours, je dirais, des façons de procéder qui doivent s'adapter au coup par coup en fonction de l'environnement et il faut bien entendu entrer à chaque fois en bien contact sûr. Avec bien sûr les... il y a des normes bien sûr il y a ouais. des normes à respecter pour que Tout vous à. Pouvez postuler pour les postes universitaires. Donc et prof, on va parler des grilles d'évaluation puisqu'on est en train de parler du recrutement. Donc on va avoir une pause musicale maintenant et puis on va discuter les grilles de recrutement ou bien les grilles d'évaluation. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour suivre Radio Al-Hayat FM sur les fréquences 90.3. Donc, je reviens à monsieur Gérard Lézard. Donc, on a commencé la discussion à propos des grilles d'évaluation. On les appelle ici les grilles d'évaluation. Peut-être chez vous, les grilles de recrutement. Donc, qui prépare les grilles d'évaluation, prof?
Et est-ce qu'elles sont uniformes ou bien ça dépend des disciplines? Donc les grilles d'évaluation, quand même, on va dire qu'il y a tout de même des critères qui sont uniformes, quelles que soient les disciplines. Hein. Donc, il y a bien sûr, on va dire, le CV du candidat, hein, sa formation. Donc ça, je pense que ça, c'est important. Le CV. Comment on évalue le CV? C'est-à-dire le nombre de publications, les années d'enseignement en tant que vacataire ou bien l'expérience industrielle. Comment peut-on évaluer un CV? Oui, donc ça, c'est malgré tout la partie la plus... C'est extrêmement difficile. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de... Donc, on va dire la formation, malgré tout, si vous avez un parcours, on va dire un parcours homogène. Je pense que ça, c'est important. Si vous avez un parcours homogène qui montre quand même que vous avez eu de la suite dans les idées pour arriver là où vous êtes et sans rupture dans ce curriculum, donc... Je pense que ça, c'est quand même important. Donc, si vous avez des ruptures en ayant des interruptions et pendant ces interruptions, en ayant des activités professionnelles qui sont aux antipodes de ce que vous souhaitez faire, bon, ça peut être problématique. Donc, il faut peut-être que les ruptures sont justifiables. Peut-être on peut justifier. Est-ce que vous demandez des justifications pour les ruptures? Mais tout à fait, parce que ça, je pense que c'est pour ça que je vous donc des évaluations de dossiers, ce sont des choses difficiles. On peut bien sûr demander pourquoi il y a des ruptures. Si c'est bon, en particulier pour les jeunes femmes, pour les femmes, donc il peut y avoir bien sûr les congés de maternité. Bon, ça c'est quelque chose, on va dire, de classique et qu'on intègre facilement. La situation financière, parce que parfois, je suis par exemple devenu ingénieur, j'ai commencé à travailler. Et après quelques années, j'ai décidé de poursuivre mes études de recherche, mes études de master et de doctorat. Donc pourquoi je perds des points pour cette rupture? Alors, je pense que... encore une fois, je pense que ça, c'est pas... ça peut être évalué différemment en fonction des personnes, puisqu'on n'a pas de grille d'évaluation qui sont homogènes en fonction des universités. Bon, cette démarche qui est une démarche d'évolution, je pense que ça peut plutôt être considéré comme une démarche positive. Oui. Donc, on sait très bien que ça peut être difficile. Enfin, quelquefois, on est quand même conditionné par le fait qu'il faut vivre au quotidien et qu'il faut de l'argent pour vivre. Mmh. Et donc, moi, par exemple, j'avais eu une bourse pour faire mon doctorat d'ingénieur. Mmh. J'ai fait mon doctorat d'ingénieur grâce à cette bourse. Mmh. Ensuite, j'avais envisagé d'aller aux États-Unis et tout était bien plié pour pouvoir y aller. Il y a eu des problèmes avec le laboratoire d'accueil. Donc à ce moment-là, moi, je suis allé dans l'industrie. Mmh. J'ai fait mon doctorat d'État en étant dans l'industrie. Donc, les parcours sont multiples. L'exemple que vous donnez, je pense que c'est pas quelque chose qui est pénalisant. Ça montre une volonté malgré tout d'arriver à quelque chose. Mm-hmm. Et moi, j'ai pas de souvenir que cette démarche soit négative et ou ait été évaluée négativement où que ce soit. D'accord. Est-ce que vous avez des points ou bien des avantages pour la nationalité? Non.
très, très franchement, non. Merci. Alors, entendons-nous, par exemple, si vous dites je veux aller travailler au commissariat à l'énergie atomique et je suis chercheur en physique nucléaire et je suis un très bon ingénieur, là, c'est certain qu'il y a des postes ou des structures qui peuvent être des structures sensibles et que à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un certain nombre de restrictions. Bien sûr, ça c'est lié à la sécurité nationale. Donc je comprends mais ça. En dehors de tout ça, à l'université, à l'échelle universitaire, moi je veux postuler pour des postes universitaires. Est-ce que je suis pénalisé pour la simple raison que je ne suis pas français, par exemple? Non. Bien. La réponse est claire, c'est non. C'est encourageant. Donc, moi, je n'ai jamais, j'ai jamais été dans des, j'ai jamais été dans des jurys ou présidé des jurys où ça influençait la décision. D'accord. Donc maintenant, on passe pour les autres. C'est concernant les CV. Donc, je comprends moi aussi que c'est très difficile d'évaluer les CV parce que même les CV ne sont pas uniformes. Chacun met des choses différentes dans les CV. Mais maintenant, par exemple, le nombre de publications, le nombre de cours enseignés, le nombre... Ces choses sont claires. Il y a des points... accordé à ces points, soi-disant, ces thèmes. Mais maintenant, la partie orale. Les comités, par exemple, de recrutement, moi, je veux parler du conflit d'intérêts. Si, si vous êtes encadreur d'un candidat qui va passer devant le comité de recrutement, est-ce que vous quittez le jury ou bien... vous ne quittez pas, c'est-à-dire, moi je parle du conflit d'intérêts. Oui, donc ça c'est un point important. Donc très souvent, c'est pas systématique, il peut y avoir dans certains cas, dans certains jurys, des représentants de structures qui sont présents. Et c'est vrai que ça peut poser un problème, je le reconnais. Ces représentants de structure sont là, en principe, pour s'assurer que le candidat que va recevoir la structure remplit bien les fonctions que l'on attend de lui. Enfin, remplira bien les fonctions que l'on attend de lui. D'accord. Alors ça, c'est louable, effectivement, comme vous le faites remarquer, dans la mesure où les concours sont... totalement ouvert. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un concours ouvert ? C'est un concours où il n'y a pas déjà à l'avance des candidats qui sont sur le poste. Bon, dans la mesure où il y a des candidats locaux qui sont sur le poste, ça peut effectivement être une source de conflit d'intérêts. D'accord. Alors moi, je vais faire part de mon expérience, malgré tout. Donc, quelquefois, on a eu des candidats locaux avec des représentants des structures, et ces candidats locaux, on les a évalués, auditionnés, dans les mêmes conditions, sans préférence aucune. Donc, moi, si je suis là, en général, ça se passe comme ça. Sans préférence aucune, ils sont auditionnés dans les mêmes conditions, avec les mêmes contraintes que des candidats qui ne sont pas des candidats pressentis. D'accord. Et il est arrivé, pas souvent, mais il est arrivé que le candidat local, parce qu'on est quand même dans les jurys, on est quand même nombreux, on est quand même 15 à 20 personnes, donc les opinions peuvent s'exprimer. Et il est arrivé que les candidats locaux n'étaient pas à la hauteur, donc la présentation en général n'est pas mauvaise. On est toujours stressé, on reconnaît que quand on passe une audition, on n'est jamais très fier. Donc on est stressé, donc on en tient compte bien sûr. Mais dans la mesure où
le candidat, a fortiori local, ne répond pas correctement à des questions pour lesquelles on peut s'attendre à ce qu'il devrait répondre de façon parfaite, bon, à ce moment-là, ça pose des questionnements. Et on ne va pas s'acharner, moi j'ai jamais vu, alors ça pose quand même des cas de conscience, hein. On sait que ça va poser des problèmes, etc. Mais si on a un candidat pressenti et un candidat local qui n'est pas à la hauteur, bon, ben, dans le classement, il sera pas classé d'office, c'est-à-dire c'est le mot d'office. Il va c'est pas même, être c'est même sur le plan sur le plan moral et sur le plan psychique. Moi, quand le président de jury est mon encadrant, donc moi, je me sens à l'aise déjà. C'est mon encadrant est président de jury ou bien il fait partie du jury. Donc moi, par ailleurs, je me sens très à l'aise. Comparé aux autres candidats, donc j'ai en quelque sorte un faveur comparé à, à mes collègues. Oui, tout à fait. Ça donc, c'est quelque donc, chose. Donc, moi, je vois que éviter ça, c'est plus juste, si je peux bien dire sûr. Ça. Moi, ça, c'est quelque chose. Moi, là, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Lorsque l'on a. C'est comme pour les jurys de thèse, hein, d'ailleurs. Donc, oui. C'est, bon, on ne va pas aborder ça, ce n'est pas l'objet. Oui. Mais lorsque l'on a des jurys. Les présidents de jury sont des membres extérieurs à l'université. D'accord. Donc, on ne peut pas avoir pour un recrutement... maintenant, hein, parce que si on regarde ce qui s'est passé même il n'y a pas très longtemps, je crois quand même qu'en France, on a quand même fait beaucoup de progrès là-dessus. Ça ne s'est pas fait tout seul et il y a encore du travail. Mais ce genre de choses, bon, ça ne se fait plus. Et je pense que, bon, maintenant, moi, j'ai plus d'expérience et je sais les limites et jusqu'où je peux aller. Mmh. Et je pense que beaucoup de gens le savent. C'est quelque chose, ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Ouais. Donc, on va pas mettre un jury qui est un jury totalement acquis pour faire passer qui on veut. Donc, il faut quand même que... Moi, je suis pas contre le fait que l'on recrute des gens qui soient des gens déjà sur un... qui sont des gens... pressentis. Par contre, il faut que ces gens pressentis aient les qualités requises pour remplir les fonctions. S'ils n'ont pas les qualités requises, bah, je pense que à ce moment, et si des personnes, on est quand même sur des concours, hein, ça s'appelle concours. Donc, si parmi les candidats, on a des candidats qui connaissent également bien le sujet et qui sont à même de remplir ses fonctions pleinement avec des compétences adéquates et avec le sérieux adéquat. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, il ne faut pas, parce que je connais je connais pas mal d'anecdotes, hein, donc il ne faut pas, bien entendu, qu'ensuite, une fois recruté, le directeur de structure s'acharne. Enfin, maintenant, là aussi, il y a quand même un certain nombre de lois et de vigilance qui sont en place, mais il ne faut pas qu'il s'acharne sur le candidat recruté en essayant à tout prix de l'évincer, puisque chez nous, au niveau de la fonction publique, vous avez un an d'essai. Mmh, mmh. Donc, et vous n'êtes titularisé qu'au bout d'un an. Donc, moi, je l'ai déjà vu, hein, il peut y avoir toutes les peaux de banane qui sont... et toutes les stratégies qui sont mises en œuvre de façon à évincer le candidat, à essayer de le mettre hors jeu pour effectivement revenir sur le candidat qu'on souhaitait. Donc ça peut exister. Je pense que ça existe de moins en moins, mais néanmoins, il faut rester vigilant sur ce genre de choses et sur ce genre de pratiques. Mais on a, nous, des... Bon, moi, je connais bien les directions des ressources humaines qui sont associées. On est vigilant là-dessus. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas toujours facile malgré tout. Hein. Parce qu'on peut avoir des conflits d'intérêts à différents niveaux.
qui passe largement ce genre de choses. D'accord. Bon, toujours est-il que je pense qu'il y a, enfin, il faut effectivement faire très attention à ça. L'objectif étant de recruter les gens qui sont les gens les plus compétents, de façon, parce que ces gens vont être recrutés une fois qu'ils sont recrutés pour des dizaines d'années, ils vont avoir à former des gens, ils vont avoir, on va leur confier un certain nombre de choses. Donc c'est cet investissement humain. Il se traduit aussi pour un investissement pour l'université et pour le pays, hein, puisque c'est il faut pas faire n'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc, cher professeur, donc il nous reste environ 15 minutes. Donc, on va parler maintenant. On va passer pour soi-disant les étudiants, les chercheurs, après avoir fini leurs travaux de recherche. En termes de suivi, en termes de travaux au futur, comment faites-vous ça? C'est-à-dire, quand ils finissent ou bien quand ils terminent leurs travaux de recherche, qu'est-ce qu'ils font? En tant qu'étudiant, je parle des Tunisiens. Quand ils terminent leur recherche en France, donc ils reviennent ici, ou bien il y a des opportunités de... Je ne sais pas quoi exactement, moi, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, moi, ce qui a été fait au niveau du laboratoire, et ce que moi j'ai essayé... Je vais d'abord commencer par ce qui a été fait au niveau du labo. Moi, j'ai essayé, pour ceux qui le veulent, donc je leur propose, moi, des post-docs, et je leur dis... Voilà, parce que je suis dans des réseaux scientifiques européens où je connais pas mal de monde, et je leur dis, écoutez, si vous voulez faire un stage là, là, là et là, vous avez la possibilité de faire ce stage. Alors, vous me le dites avant de passer votre thèse, parce que la personne qui est susceptible de vous accueillir, bien entendu, il faut qu'elle récupère des fonds. Éventuellement, il faut que moi aussi j'en récupère, de façon à ce qu'on puisse vous payer. Donc, il y a des possibilités qui sont des possibilités de post-doc dans des structures en Europe avec, bien sûr, un salaire à l'appui. Et les fonds viennent des structures industrielles, non? Alors, les structures industrielles, j'ai aussi des relations avec les structures industrielles. Par exemple, actuellement, j'avais une étudiante libanaise qui a soutenu sa thèse en février. Il y a un industriel qui cherchait quelqu'un, et il cherchait même quelqu'un pour un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Il l'a pris pour 3 mois parce que cette personne, donc moi j'avais j'ai aussi des connexions donc, avec l'université et l'école pratique de hautes études. Donc, cette personne a bénéficié d'un contrat d'un an avec l'école pratique de hautes études. Ce que plusieurs étudiants tunisiens qui sont passés au laboratoire ont bénéficié, ce dont plusieurs étudiants ont bénéficié. Donc, par exemple, Rouloud, c'était dans le contexte de la valorisation. D'accord. Elle a commencé déjà un start-up, non? Alors oui, mais il faut malgré tout être soutenu. Donc, il y a quand même des relais, hein, et ces relais, ils sont actés, ils sont pris en charge par des structures qui sont adossées à l'université ou des structures qui sont des structures nationales dont elles bénéficient. Donc, c'est quand même, donc on a ce genre de choses. Pour la création de start-up, c'est une autre approche les emplois post-doc, je pense qu'il y a, enfin pour les emplois, oui, post-doc, c'est soit directement intégrer une industrie, donc ça existe, hein. il y a des offres d'emploi et il y a des possibilités, et puis il y a aussi des possibilités de post-doc à l'étranger, en disant, bon, moi je vais faire mon post-doc, ça me permettra de mettre ça sur mon CV, parce que je veux effectivement par la suite être chercheur institutionnel ou faire de la recherche dans l'université, et il faut que je conforte mon CV. Donc, toutes ces possibilités existent, mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir passé sa thèse ou soutenu sa thèse pour se dire qu'est-ce que je vais faire après ma thèse.
Donc, moi, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que dès la dernière année de thèse, ils doivent déjà réfléchir sur leur sur la façon dont va se dérouler l'année suivant la thèse ou les années suivant la thèse sans s'éterniser malgré tout. Hein. Je ne suis pas un fan des post-docs, à pérenniser des post-docs. Je pense que s'il y a 2-3 ans, peut-être au maximum 4 ans de post-doc, c'est largement suffisant, mais il ne faut pas partir dans des post-docs indéfinis, infinis, pour ensuite, parce qu'ensuite, il n'y a plus de bénéfices. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut planifier... Il faut planifier pour la période qui viendra après la thèse, avant de finir la thèse elle-même. Bien sûr, il faut pas. Et puis, il faut s'ouvrir. Il faut pas uniquement se limiter. Enfin, il faut s'ouvrir l'esprit. Hein. Je pense que la période de thèse, moi, c'est les périodes d'étudiants, en fait, je pense que même si c'est pas des périodes faciles, bon, si on a des revenus limités. Néanmoins, au niveau intellectuel, c'est quand même des périodes agréables. Enfin, moi, j'en ai pas, si c'est pas tous les jours rose, mais c'est quand même gratifiant intellectuellement. Et les gens qui sont chez moi en thèse ou en tant qu'étudiant, ils ont quand même beaucoup de liberté. Moi, je les laisse quand même aller là où ils souhaitent. Ils font pas n'importe quoi. Mais ils ont quand même une grande liberté. Donc, il faut qu'ils s'ouvrent à l'extérieur, qu'ils regardent aussi un petit peu les structures qui existent. On parlait du vieillissement, le domaine du vieillissement. Moi, par exemple, je fais de la veille technologique personnellement. Donc, je vais sur le web chaque semaine, je cherche des choses, je trouve des structures de recherche dans ce domaine, dans différents pays. Donc, je les incite à faire la même chose. À regarder sur Google et les différentes bases de données. Bon, moi, je fais le domaine vieillissement, maladie liée à l'âge, etc. D'accord. Mais eux, s'ils ont d'autres choses, qu'ils fassent ce genre de choses pour ne pas être au pied du mur lorsqu'ils auront leur thèse, mais pour avoir aussi une idée des différentes possibilités. D'accord. Donc, professeur, avant de vous donner l'espace libre à la fin de notre émission, donc, ma dernière question, donc, comment trouvez-vous les chercheurs tunisiens en termes, je veux franchement dire, en termes de capacité intellectuelle, en termes de discipline, en termes de vision scientifique, donc, comment trouvez-vous les chercheurs tunisiens? Je pense que la formation est bonne. Donc ça, c'est quand même un bon point. Hein. Donc on a, quelles que soient les disciplines, moi je trouve que il y a une formation, qui est très bonne. Alors d'une façon générale, il y a un bon formatage à la gymnastique d'esprit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir quand on est chercheur. Hein, et il faut quand même savoir faire travailler ses neurones. Moi, j'ai trouvé généralement des gens très volontaires, aussi bien, enfin, quelques hommes ou femmes, hein, donc jeunes hommes ou jeunes femmes. Donc, des gens qui avaient envie de faire quelque chose, envie de faire des choses bien. Alors ensuite, par contre, c'est souvent des gens qui se disent « oui, mais… » Enfin donc, oui, bon, mais j'aime également. Bien la Tunisie et j'aime… Mais bon, oui, mais moi, quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais faire chez moi ? Donc, raison, peut-être. Voilà. Donc, c'est surtout ça. S'il y avait quelque chose à faire, je pense qu'il faudrait redonner espoir à tous ces étudiants et à tous ces chercheurs pour dire, alors il y a sans doute des choses à mettre en place, pour dire effectivement, on va essayer de faire en sorte que
Alors, tous ne seront pas pris, bien sûr. Hein. C'est pas, je fais pas, c'est pas une, c'est pas un discours démagogique que je fais. Tous ne seront pas pris, mais plus sera sans doute fait que ce qui est fait actuellement pour donner de l'espoir. Et je pense que donner des opportunités. Moi, si je forme les gens personnellement. C'est si je forme des étudiants étrangers et en particulier des chercheurs tunisiens, c'est en espérant que leur pays leur offre la possibilité de s'épanouir. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. C'est ce que je souhaite. Oui, moi aussi, et je souhaite ça, mais peut-être que ça doit dépendre du. Ou bien de la situation économique, politique, c'est un parcours de discussion très long. Donc, 5 minutes, il nous reste 5 minutes. Donc, c'est à vous de. C'est un espace libre pour vous. Oui, donc, on peut. D'abord, encore une fois, merci pour cette invitation. C'est moi qui je vous remercie, prof. Le temps a passé très, très vite. Oui. encore une fois, j'ai été très ému par les interventions de mes deux étudiantes. Moi, lorsque je reçois des étudiants, lorsque je forme des gens, alors bien entendu, bon, moi j'aime bien la recherche et je m'investis beaucoup. Pour faire avancer les connaissances ou pour valoriser ces connaissances, mm-hmm. Je perds jamais de vue que cette recherche, elle est faite. La recherche que je fais, c'est une recherche que je fais pour qu'elle puisse bénéficier à tous. Je souhaite pas personnellement faire une recherche. Qui soit une recherche qui ne bénéficierait qu'à quelques-uns, c'est-à-dire que moi, si je conçois des médicaments ou une sorte de médecine, c'est une médecine pour tous et une médecine du même niveau pour tous, quel que soit le milieu des personnes, et donc pour tout et quel que soit son milieu. C'est-à-dire que je pense que science sans conscience n'est que perte de l'âme. Hein. C'est quand même bien connu. Donc je pense que l'on doit faire de la science, on doit réfléchir pourquoi on la fait et on doit la faire. Dans un souci d'amélioration de la condition humaine. Alors ça, ce sont des grandes paroles, hein, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas les perdre de vue, mm-hmm. Et ça doit être un objectif que tout chercheur doit avoir en tête, ne pas se couper de la société, la recherche doit être au bénéfice de la société, parce que c'est quelque chose, bien sûr, qui a un coût, encore une fois, et s'il y a un coût, on ne doit pas, les chercheurs ne doivent pas en abuser, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on doit avoir conscience de ça, ça doit être, et la science n'a pas de frontières. Hein. Donc c'est pour ça que personnellement, moi j'aime bien former des étudiants étrangers, et en particulier des étudiants tunisiens, avec lesquels j'ai de très bonnes relations, tout autant avec eux d'ailleurs qu'avec leur hiérarchie. Et ça a toujours été un plaisir pour moi de travailler avec la Tunisie. Merci. Donc, professeur, le temps a passé très vite. Vraiment, je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez accordé en acceptant cette invitation. Donc, moi aussi, je remercie Imen Ghzayel et je remercie Khouloud Sesi qui n'ont pas hésiter à témoigner leurs chers professeurs qui les encadrent au laboratoire de recherche. Je vous remercie infiniment, professeur. J'étais vraiment ravi de vous avoir avec nous sur antenne aujourd'hui sur Radio Al-Hayat FM. Et j'espère, je m'attendais à d'autres occasions
Ça sera vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous sur antenne. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette émission en français et parfois en anglais. Donc, c'est parce que notre cher invité est français. Donc, je vous remercie tout le monde et à bientôt. من الجامعة نبني الوطن برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي.